Bonjour à toutes et à vous tous. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, une nouvelle vidéo où je vais parler de, je veux dire, c'est un haul de mes achats que j'ai fait ces deux derniers mois de produits de beauté, nécessité de nettoyer la peau. Voilà. Donc, tout d'abord, je vais commencer par remercier tous mes abonnés et mes nouveaux abonnés. J'ai vu que ce matin, que j'avais atteint les plus de 700. Donc, je suis contente. Ça fait toujours plaisir. Donc, voilà. C'est plutôt enrichissant. Donc, je vais vous parler de mes achats que j'ai fait. J'ai effectué des petits achats chez Leclerc. Un petit haul, qu'on va dire, de produits de teint, de produits nécessités pour le visage. Donc, voilà. On va commencer. Je vais mettre mes lunettes. Je suis passée chez Leclerc, je faisais des promotions. Donc, je voudrais parler du lait démaquillant certifié bio Nae. Je ne sais pas si c'est Nae ou Na, ça s'appelle. Donc, 99% d'origine naturelle. Il est 1%, je ne sais plus ce que c'était marqué. 1%, 10% total. Ingrédients sont issus. Oh, moi, je vois mal. D'agriculture biologique. Donc, alors c'est un lait, parce que moi le soir, je me nettoie, je me démaquille, je mets un biphasé pour les yeux, je me nettoie au lait et après je mets une, j'ai acheté la mousse. Voilà, donc le lait et puis je finis avec la mousse. Donc pour parler de ce produit, un lait démaquillant, il est, j'aime bien, il n'a pas trop d'odeur, c'est à l'eau de rose, huile de rose. Donc, je mettrai en barre d'infos tout ce qu'il y a dedans. Élimine en douceur le maquillage et les impuretés, tout en délicatesse de la rose Damas Bio. Donc, voilà. Donc, un lait pour nettoyer. Et une mousse. On secoue une mousse. Je me nettoie tout le temps après en tissu pour me nettoyer le visage. Une mousse, comme ça, vous voyez. Donc, bel achat chez Leclerc. Produit bio Nae. Donc, voilà. Je pose ici, pardon. Un biphasé de chez Garnier pour les yeux, deux en un. Vous voyez, je l'ai utilisé. Donc, super. Je l'aime bien. Big pan et rien pour un moindre prix, j'allais dire. Un bon produit. Voilà. J'ai acheté aussi de l'huile jouvence, huile bio pour le soir, un petit sérum. Je teste, hein, voilà. Moi, j'aime bien tester. Donc, voilà. Vous connaissez certainement. Donc, en ce moment, je suis en train de tester. Il faut en mettre 3 gouttes, vraiment 3 gouttes. Le soir, je mets. Donc, vous voyez, je vais vous montrer. Vraiment, ma peau, elle a besoin. Ça pénètre très, très bien. Donc, j'en suis contente. Et puis, ben voilà, c'est pareil, hein, que combien de... C'est bio. Donc, 100% de produits naturels. Voilà. Ça, c'est la Provençale bio. Et un déodorant pour les bras habillés, les sous-bras. Je trouve ça super. J'aime son odeur. Donc, je me suis promis chez Leclerc. Voilà, j'ai trouvé ça. Donc, très, très bien. Aussi, une huile démaquillante de chez L'Oréal. Alors là, très 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 bon produit. Moi, j'en mets une petite noisette, je fais mousser, je nettoie avec mon pack en toilette, mes trucs en coton, super. Un bon produit de chez L'Oréal. Voilà, toujours chez L'Oréal. L'âge parfait, accord parfait, à fond de teint. Donc c'est le 3D, 3, alors beige doré. Voilà. Il a toute une histoire, ce fond de teint. Mais il est super bien. Je voulais commander l'autre sur internet. J'avais marre, je ne voulais pas recommander. Et regardez, il est moins épais que l'anti-âge, mais il est super. Donc, bon produit de chez L'Oréal. J'ai pris aussi Parfait Match, accord parfait, un anti-cerne. Alors, j'ai pris le
2N. Bien aussi. Un bon produit. Hein? Je suis contente. Chez Kiko, je ne sais pas si vous avez fait voir. Un mascara pour les yeux. Voilà. Pour les yeux. Pour les sourcils, pour les faire tenir. Donc, j'en suis contente aussi. Voilà. Donc, j'ai acheté aussi un mascara pour les cils. Mais comme je suis en train de tester de celui de chez Revitalash, le poids n'est pas le même. Donc, vous voyez, celui qu'on avait souvent entendu parler sur les chaînes YouTube, je ne l'ai pas encore testé, je vous le dirai. Donc, ça fait partie de mes achats. Un lot de 2 dissolvants, parce que je me suis remis au vernis à ongles normal. Deux dissolvants, tout le temps utiles, de chez Diadermine. Alors, moi, j'en ai mis un dans un petit pouce-pouce. Donc, voilà. Super. Un lot des Dove. Voilà, pour les sous-bras, c'est tout le temps utile. Donc, c'était des promos qu'il y avait chez Leclerc, 40%. Donc, moi, je fonce quand c'est comme ça. Je suis passée chez Nocibé aussi. Donc, pour des vernis à ongles. Voilà, de chez Chanel. Comme je vous ai dit, je suis revenue au vernis normal. Alors, celui-là, c'est le 506 Camélia. C'est celui que je porte aujourd'hui. Voilà, très bien. Et puis j'ai pris aussi, j'en avais pris la fois d'avant, le 528 rouge puissant. Alors j'ai pas de lumière, donc c'est la lumière du jour, j'espère qu'on voit bien. Super. Donc voilà, je redeviens. Donc ça a un prix un peu plus cher, hein, ces vernis-là. Mais bon. Après, quand on met 30 euros dans une, ou 35 euros dans une manucure. Mais voilà, j'en ai pour longtemps, donc voilà. Et j'ai pris un basse coat, à ma conseillée celui-là, et un top coat, une finish. Super, je suis contente de mes petits achats de chez Nocibé. Et mon dernier achat de chez Vinted, voilà, avec un petit mot. J'ai commandé, hop là, c'est par terre, une savonnette de chez Chalimard, vous connaissez moi. La dame, elle l'a bien super emballée. Vous voyez sa petite boîte. Donc, j'ai commandé, c'est pour la boîte, parce qu'on n'arrive plus à avoir la boîte Chalimard. Donc, j'avais commandé chez Nocibé ma savonnette qui va arriver. C'est pas grave, j'en aurai deux. Je mets dedans. Moi, c'est mon petit écrin. Vous savez, Chalimard et moi, c'est toute une histoire. Donc, voilà. Sur Vinted, avec un petit mot d'Anita. Donc, voilà, qui m'est revenu. Avant, on roule la savonnette. Voilà mon haul de, je veux dire ça que c'est un haul, le haul du mois de mai, voilà, mai, un petit peu avant, voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé, la partager, un petit pouce en l'air, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est la fête des mamans. Je ne sais pas quand est-ce que je vais poster cette vidéo. Je pense que je vais la poster ce soir, vendredi, si je ne suis pas trop en retard. Je vous souhaite une très belle journée, un très bon week-end. Bonne fête à toutes les mamans et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous, ciao, ciao.